Alors, heureux de vous retrouver en cette magnifique journée, début de semaine, lundi 15 juin 2020, ici, 15h05, c'est ensoleillé, il fait beau, 26 degrés. Demain, on attend un peu plus chaud et après-demain aussi. Profitons-en, parce que le beau temps, c'est pas pour toujours. Pendant ce temps-là, des événements marquants se produisent. Depuis 2020, on a vraiment entamé l'année avec... un scénario biblique, on pourrait le considérer même de niveau biblique, sans nécessairement impliquer la fin du monde, mais je l'ai dit depuis déjà plusieurs années, la fin de notre monde est arrivée. On s'en va vers quelque chose d'autre. Il y a aussi des comportements humains qui sont vraiment questionnables. On a vu ce qui est arrivé aux États-Unis, ces deux cas-là qu'on a médiatisés naturellement, à grand renfort de d'émissions spéciales, parce que les médias sont pas des œuvres de charité, sont des entreprises lucratives et rentables et profitables, et on a besoin de faire de l'argent. Et comment on fait de l'argent? Ben, c'est avec des événements comme ceux-là, qu'on traite toujours en superficie, mais qu'on propage pour naturellement faire marcher les caisses enregistreuses. Puis il y a beaucoup de gens comme ça, dans beaucoup de secteurs dans la société qui sont d'apparence essentielle, mais qui sont des grosses machines à sous. Notre gouvernement, c'en est un. C'est une grosse machine à sous. Puis c'est pas un service essentiel. On pourrait se passer d'un gouvernement, mais on a mis dans la tête des gens qu'on avait besoin d'un gouvernement. L'individu est rendu aussi. On a beau parler des événements, mais il faut parler de l'individu aussi. Vous et moi, le monde ordinaire, on a besoin d'une grande réforme aussi. On a besoin de se questionner, on a besoin de se réécouter, de se relire, de vraiment essayer de comprendre si on accepte ce qu'on est et nos comportements envers les autres, envers notre prochain. Parce qu'une porte un voile, parce que l'autre porte une croix, parce qu'un a une certaine couleur. On est là à se stigmatiser, à se détester, à s'empêcher d'avoir des meilleures vies. Je pense qu'on doit se questionner aussi sur cet aspect-là, qui aussi, pour moi, rentre dans l'équation biblique de la fin des temps. Quand on est rendu à voir un niveau d'animosité entre les nations, puis de comportement, puis ça vient de tous les côtés, il n'y en a pas un qui est pire que l'autre, on doit vraiment, vraiment se poser des questions. Ce que je vais vous partager, là, de la nouvelle, ça nous démontre à quel point, ça aussi c'est un événement qui démontre qu'on arrive, qu'on est arrivé, on n'arrive pas, on est arrivé à un point de non-retour avec l'humanité, avec l'être humain. Puis que si l'humain ne change pas son comportement, il y a un équilibre cosmique qui va venir se faire. On ne peut pas continuer dans ce genre de comportement-là, puis ce que tu infliges à ce qu'on va voir à ces parts-là, ces gens-là l'infligent à l'humain aussi, la torture chez l'humain, envers l'humain, existe depuis longtemps, la méchanceté, la criminalité, la barbarie. On a un modèle qui est vraiment à revoir, c'est le modèle de l'éducation, le modèle des valeurs qu'on transmet dans nos sociétés contemporaines, entre autres. Il faut qu'on trouve une façon d'élever la conscience humaine, pas de la rabaisser. On ne pourra jamais avoir un monde meilleur tant qu'on continue à valoriser la haine, la discrimination, la stigmatisation, la jalousie, ceci, cela, l'envie. Moi, je ne vois pas comment on peut prétendre qu'on va bâtir un monde meilleur avec une conscience aussi basse que ça. Il faut l'élever. Il faut qu'on commence à respecter la vie aussi, dans toutes ses formes. Sinon, il y a un coup de bâton cosmique qui va venir, puis qui a déjà commencé à descendre, puis qui a commencé à nous frapper un peu, mais ça ne semble pas nous éveiller. On continue dans notre haine. On se regarde le comportement des gens, le langage des gens, c'est horrible. Moi, je me suis transformé parce que ça n'avait plus de sens. Je ne pouvais plus m'endurer. Parce que tu ne peux pas vivre comme ça. C'est pas comme ça que tu vas bâtir un monde meilleur, en crachant sur tout le monde, puis en dénigrant tout le monde. Voici cette nouvelle
qui nous démontre à quel point on est rendu. Une vidéo choquante capture le plus grand producteur de porc de l'Iowa cuisant à la vapeur des milliers de porcs après que les épidémies de COVID-19 aient décimé les chaînes de production, provoqué la fermeture des usines et entraîné l'euthanasie de millions d'animaux. On est en pleine crise, crise économique, il y a du monde qui ne mange pas. Puis naturellement, toutes ces grandes fermes-là, maintenant, c'est toutes des grandes corporations qui appartiennent à des grands conglomérats, hein. Les artisans sont disparus. Puis ces gens-là, ils ne pensent qu'à profit. Puis d'avoir ces parts-là qui étaient incapables de vendre parce que les chaînes de production hein, ont été complètement transformées avec la pandémie. Et plutôt que de vouloir continuer à les nourrir, on les a cuits à la vapeur à des degrés de 140, 160 degrés Celsius dans des étables. On a fermé la ventilation puis on les a laissés mourir pendant la nuit cuits à la vapeur. Il y en a qui n'ont pas... qui ne sont pas décédés, qui ont réussi à survivre. Après ça, on est allé les abattre avec des pistolets au plomb. Vraiment hallucinant. Si tu es capable de faire ça à des cochons, c'est sûr que ces gens-là sont nos dirigeants, les généraux, puis même le commun des mortels, on voit hein, souvent en train de terroriser leurs enfants, massacrer leurs femmes. On est rendu vraiment, on a un grave problème. Puis notre problème, là, ce n'est pas les immigrants, puis ce n'est pas la religion, puis ce n'est pas les femmes voilées. Notre problème, c'est nos valeurs, puis où on en est rendu dans la société avec notre mentalité. On a une grande réforme à faire. Puis la réforme, là, c'est à tous les niveaux. Le plus grand producteur de porc de l'Iowa aurait euthanasié des milliers de porcs en les faisant cuire à la vapeur à mort lors d'une extermination massive après la fermeture des usines de transformation de la viande au milieu de la pandémie. Une enquête du groupe de défense des animaux Direct Action Everywhere, qui a été faite sur la fameuse ferme en question, l'Iowa Select Farms, a révélé des images de ce qui semblait montrer le massacre brutal de milliers de porcs. Par arrêt de ventilation, l'arrêt de la ventilation est une méthode d'extermination de masse où les porcs sont amassés à l'intérieur d'une étable, des voies respiratoires fermées hermétiquement et la vapeur brûlante est pompée à l'intérieur pendant la nuit. La chaleur s'intensifiera de plus en plus car les porcs sont essentiellement bouillis à mort car ils étouffent et souffrent des heures de cruauté insupportables. Donc, je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de description. Vous irez voir la vidéo, c'est horrible. Puis là, on voit les événements qui se sont produits aux États-Unis concernant, naturellement, les assassinats par des policiers hein, sur des gens de couleur. Puis on pense qu'on peut régler, puis les médias sont toujours là pour s'enrichir, hein, ils ne sont pas là pour élever les populations. Ils sont toujours là aussi à traiter en superficie, jamais en profondeur. Puis là, on pense qu'on peut changer tout ça par une réforme des institutions. Non, c'est la réforme des individus qui doit être faite. Tu peux changer toutes les lois, tous les règlements. Et encore à l'heure où on se parle, il y a des pays qui sont régis par des gouvernements religieux qui, eux-mêmes, légalisent la stigmatisation, la discrimination envers toutes sortes d'autres individus qui ne sont pas de leur clan. Donc, quand notre clan n'est pas touché par quelque chose, on s'en fout. Hein? C'est un peu l'attitude qu'on a. Ben, c'est universel, il faut qu'on se soucie de tout ça. Puis ce n'est pas des lois et des règlements qui vont changer. On a changé toutes les lois et les règlements depuis des dizaines d'années. C'est juste ça que nos gouvernements font et nos élus font. C'est tous des maudits avocats ou des morons. Il faut que tu t'attardes à changer l'humain puis que tu commences dans les écoles à y donner des vraies éducations, des vraies valeurs. Pas des insignifiances, à respecter la vie, à respecter autrui, à respecter les autres, à tolérer tout le monde, à respecter la vie sous toutes ses formes. Si on ne fait pas ça, on s'en va vers le chaos total, l'anarchie généralisée, une espèce de chaos qui nous annoncera probablement l'enfer avant la fin du monde. Avant la fin du monde, on va vivre l'enfer sur Terre, puis on est en train de commencer à voir vraiment des images de fin du monde, mais surtout des images d'enfer. Moi, je vous le dis, tout le salut passe par la réforme individuelle. Il faut ramener des valeurs universelles pour l'élévation de la conscience. Sinon, vous allez vivre l'enfer. Puis c'est long, hein? Vive l'enfer. Je vous reviens.